Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un très joli point au crochet. Donc, j'ai fait ma maille de chaînette, ma chaînette de maille. Et donc, le premier rang, je fais les mailles serrées. Donc, j'ai fait deux rangs de mailles serrées et maintenant je vous montre le point. Donc, je fais un jeté, je mets mon crochet par la première maille, la deuxième, sur les deux brins de la maille. J'attrape le fil en mettant mon crochet par-dessus le fil. J'attrape le fil et je le passe à travers la maille et le jeté que je viens de faire. Le fil qui se dédouble. Voilà. La main serrée. De nouveau, un jeté. Je passe mon crochet sous les deux brins de la maille. J'attrape le fil en mettant le crochet par-dessus le fil. Je le passe à travers cette maille et le jeté que je viens de faire. La main serrée. Acheter. J'attrape le fil en mettant le crochet par-dessus le fil. Je le tire. Je fais la main serrée. Donc, acheter. Crochet par-dessus le fil. J'attrape le fil et je le tire à travers la maille et le jeté. Je fais la main serrée. Un jeté. Le crochet sous les deux brins. J'attrape le fil. Je le tire à travers cette maille et le jeter. Maille serrée. Un jeté. Donc il faut faire comme ça tout le rang. Donc voilà, on peut déjà voir ce point.
Donc, toujours la même chose, acheter, attraper le fil en mettant le crochet par-dessus le crochet, tirer à travers cette maille et puis et le jeter. Donc voilà, comme ça. Oublier le jeter. Choisissez le fil qui se dédouble pas. C'est un petit peu pénible quand même. Voilà. Une maille pour tourner. Et donc je recommence le même point. Acheter. Il vaut mieux choisir le fil qui se dédouble pas, hein, parce que c'est pénible quand ça commence à... Donc c'est toujours la même chose. Tout le rang, on fait ce point. C'est pas très compliqué. Donc je vais vous faire encore quelques rangs pour voir à quoi ça ressemble. Pour faire voir à quoi ça ressemble. Donc là déjà, on peut voir un petit aperçu. Donc je viens de terminer mon point. Et là, je vous le montre. Moi, je trouve qu'il est très joli. Donc c'est quand même pas très difficile à faire. Donc d'un côté et de l'autre côté, on peut faire plein de choses avec avec ce point. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si cette vidéo, je vous invite de mettre le pouce bleu en l'air et abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir et merci.